Amen. Nous comptons bien parce que bon Dieu méritait tout cela. C'est ça le patron qui va servir d'un ouvrier ou bien d'un travailleur parce que tu es venu sur route. Mais ce patron, il y a le bon monde qui campait pour lui, il travaille pour ça. Amen, amen. Il travaille pour ça, il est digne de ça. Bon Dieu mérite un pile d'arrêt. Il méritait pour lui vendre un jeune garçon à toute force et à tout courage, mais pour le choisir pour le marcher à bon Dieu. Bon Dieu mérite tout ça. Bon Dieu mérite une jeune fille avec toute essence physique. Les yeux le louaient 7 sur 7. Et pour le dire avec toutes ses capacités physiques, il choisit pour le déposer au pied de Dieu comme offrande. Ce mariage fait mon Dieu plaisir en pile. Et nous le dit à Soya, si l'on met mon Dieu jeunesse ou passé, on va nous être peur, vieillesse. Amen. Et nous sommes pour nous dire tout à Soya, si c'est mon Dieu qui voit juste citron, il va jeter pour. Amen. Et c'est le mot, mesdames. Si c'est bon Dieu qui voit juste citron, il va jeter pour. Est-ce que mon gars dit, nous avons dit? Est-ce que mon gars explique, nous avons dit? Alors, moi, je dis en parole, mais je vais dire tout. Si c'est bon Dieu qui voit juste citron, il va jeter pour. Mais c'est bon Dieu qui veut nous dépiler, qui nous gêne, et nous prier, il va pourquoi il va guider. Amen. 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 Si elle a même bon Dieu, tout est sens nous passer. Là, nous commençons, les cheveux commencent blancs. On va besoin de assis, tout est allé. Amen. On va besoin de passer à l'île. Amen. Même l'autre mari, on va d'enfanter. On va besoin de faire vieux jours. Amen. Et c'est dans le même monde, c'est Dieu qui pour jouer. Moi-même, depuis à 17 ans, je suis mon Dieu. On a 53 ans. Même les mbats de petit, je ne suis pas peur. Et c'est dans le même bon Dieu, tout est sens. Amen, amen. J'ai 35 ans au pied de Dieu. Marié, j'ai 6 petits. J'ai le grand garçon, le géant garçon, 21 ans. Même les mbats de même, je vais sauter parce que je n'ai pas mon Dieu longtemps. Et ils sont bons patrons. M'a dit tout le monde qui travaille pour le Seigneur, toi les peu. Sauf la fête de bon cœur. Toi les appuyer sur le monde, son bon patron, il paye au-delà même de son frère. Amen. Et c'est le patron qui paye avant même de commencer le travail. Amen. C'est le patron. Tout le patron, il veut le travail, il va prendre ton corps tout pour réparer, et puis au fur et à mesure, il tire. Mais patron, ça, il investit dans nous. Même l'aide va te sembler. Pour former cette grande assemblée, parce que là, je vous salue. Au nom de Jésus. Et pour former cette grande assemblée, il a fallu pour Dieu de rassembler les hommes de toutes races, de toutes nations, de tout peuple, de toutes tribus, de toutes langues, pour former cette grande assemblée. Pour former cette grande assemblée, Dieu marche un peu partout. À l'hôpital, au coin de la rue, à l'école, en famille, en maison. Pour former cette grande famille ou bien ce grand peuple compose les hommes de toutes races, de tous niveaux, pour former la famille de Dieu, la famille chrétienne. Le formulaire du rassemblement du CCR, d'un seul mot, venez à moi, vous tous. Et ce vous tous, sans exception de personne. Dans ce vous tous, sans exception de niveau, mais vous tous, malades, vous tous. En bonne santé, vous tous. Ignorants, vous tous. Savants, ceux qui possèdent beaucoup de biens, ceux qui n'ont rien, ceux qui sont endommagés, ceux qui sont en bonne santé, vous tous. Ceux vous tous, on a fait la tête de personne. D'ailleurs, le Seigneur n'a réclamé aucune pièce. Que ce soit un certificat de bonne vie, de bonne santé. Pas qui travaille, pas première partie des études, non, tu n'as pas d'amour, mais le Seigneur lui a dit, venez à moi. Et c'est ça l'Église qui a cette possibilité-là. Eh bien, mes chers amis, je suis content, moi-même. Quand j'ai parlé avec mon pasteur, Montréal, il y a un après-midi,
préparez-vous, faites vite pour finir là, pour venir vers nous. Je ne suis pas tant pis moi-même. Il y a des gens qui ont gaspillé leur vie dans le plaisir. Moi, j'ai déposé ma vie au pied de Dieu comme offrande volontaire. Amen. Et jusqu'à la fin des jours, comme disait David dans le psaume 23, verset 6. David déclare dans le psaume 23, verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la bénédiction de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. C'est là qu'on m'arrête, c'est là qu'on finit. Je t'ai fini dans mes bonnes dieux, comme on l'a créé, qu'a fini dans mon professeur. À force d'écrire, la paix va être réduite ensemble. Oui. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et fais ta flamme, oui, dans mon cœur, que tout mon être vive pour toi, sois mon seul maître. Mon divin roi, mon divin roi, source de vie, source de vie, de paix d'amour, de paix d'amour, vers toi j'écris, vers toi j'écris, la nuit, le jour, entends ma plainte, entends ma plainte, sois mon soutien, sois toi, mon seul bien, tu m'as perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Jésus s'apprête. Pourquoi gémir? Pourquoi gémir? Levons nos têtes. Levons nos têtes. Il va venir. Il va venir. Source de vie. Yeah.
Genèse chapitre 37, les 11 premiers versets. Genèse chapitre 37, les 11 premiers versets.
Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Jacob âgé de 17 ans, Joseph âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila, fille de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Il le prit en haine, il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se posent en l'air devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Dieu de toute grâce, Dieu de compassion, Dieu de bonté qui ne sont jamais épuisés. Nous voici en cette soirée, une multitude se tenait devant toi pour entendre tes oracles, pour entendre ce que vous avez à nous dire. Nous tenons devant toi, à l'instar de Josaphat, devant les Ammonites, devant les Moabites, devant les habitants de la montagne de Séir, en disant, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux, Seigneur, sont sur toi, pas sur le pays, pas sur ce qui nous entoure, mais nos yeux sont sur toi. Donne-nous un regard paternel, pour que nous puissions avancer, et avancer beaucoup plus loin, et arriver juste devant toi, pour déposer nos fardeaux, nos douleurs, nos plaies, et ce sera la paix. Pas la paix pour un moment, pour un jour, pour une année, mais la paix durable, pour le temps, et pour l'éternité. C'est là notre cri, au nom de Jésus. Merci, mes bien-aimés. Nous voulons présenter ce sujet, ça, soin, hein, qui dit, pas oublier révélation des faits. Dis, voisin, on va vous donner ça. Dis, pas oublier révélation des faits. Pas oublier révélation des faits. Ça que je comprends moi-même personnellement, ma commission m'a fait un texte de vie mélangé compréhension avec elle. Je comprends que chaque monde qui rencontre avec mon Dieu, il va lui dire, il va lui faire, il va lui marquer. Vous comprenez? En raison de la multitude qui s'approche de Dieu, mais chaque monde approche de Dieu pour une raison spécifique. Il y a un monde qui approche de Dieu, c'est malade, malade, c'est santé, c'est bien chercher. Il va venir contre sa bon Dieu, il va venir contre sa bon Dieu, il va venir contre tempérament bon Dieu, il va venir contre principe bon Dieu. Seulement le malade, c'est son guérison. Il va venir contre votre bon Dieu, il va venir à Haïti, comme j'ai dit, j'ai dit, ça va, il s'est pas dit, ça va, il s'est pas dit, il s'est pas dit, il s'est pas dit, son problème, Je suis un peu plus de temps.
Comment? Ça veut dire qu'il y avait plusieurs moyens d'approche. Chaque monde qu'on va approcher le métier. Et d'abord, on fait remarquer ça, frère. En plus, il faut approcher le métier, il y a des difficultés. Les bains marchent bien, ils sont touchés, ils sont cachés. On ne fait pour rien, mais c'est pas fondamental, c'est pas pour vous. Et là, la Marie, donc on a parlé avec un ami hier, la première fois qu'on a fait un check-up, donc il a dit qu'il remarquait qu'il y a une masse graisse dans le sein. Et le sein est tellement petit, il va retirer la masse graisse pour continuer à retirer le sein en elle. Ah, dame, c'est obligé, on dirait la bouille, hein. C'est une difficulté. On a parlé avec un dame New Jersey, et puis il dit, moi, il se sentit, il est au cran, dans tout le bois, il porte tête là, bras, pieds, à l'énergie, juste là. Et ça avait peine pour le ramener Pierre et la machine. Ça veut dire qu'il fonçait les strokes. Jeune demoiselle. Il ne faut faire aucune position. La vie avait belle devant. Et voilà, à sa rencontre, et l'ennemi juré la maladie. Je parle de talent à la, mais paroles lui parlent, paroles lui blasées. Parce que c'est la difficulté. Le Seigneur a déclaré, lui, on est plus souvent dans la difficulté. Non, 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 allez retour dans la maison de Dieu. Si souvent, les soleils n'ont pas levé. Et je dis que la façon que bon Dieu crée l'homme, bon Dieu crée l'homme pour l'homme toujours passer au monde. Parce que l'homme sont créatures à trois dimensions. L'homme sont triplexes. Ça veut dire l'homme pas matière seulement. Parce que nous avons remarqué que nous vivons seulement pour la matière presque. Pour de belles maisons, pour de belles voitures, pour de grands comptes en banque. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que l'homme, c'est une créature à trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Vous dépensez beaucoup pour nourrir le corps, mais et l'âme, et l'esprit. Et le corps, c'est la partie la plus faible de l'homme. Le corps, la matière, la poussière, une poignée de poussière, un verre de terre. Le serviteur déclare le jour de la rue 20. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans, l'orgueil qui en tient que peine et misère. Ils passent vite et nous envolent. En tout cas, tout va vite. Nous prenons 8 ans pour l'étudier en sciences, mais pour nous perdre, on mourut. On vient nouvelle, on vient être chargé. D'ailleurs, l'homme, même tellement fragile, on marche une tête qu'elle. Et puis la terre. Il n'y a pas qu'on en ait encore. Toute science. Toute connaissance, tout envolé dans celle, père. L'homme dans son père. Grand homme, beau garçon, bien campé, gros mec, costaud, structure, exportement, père. Graduation, études, doge de graduation, habillé, discours, le premier lauréat, père. En politique, grand homme, fait parler de lui à travers les ondes, père. Il passe vite. Et nous avons. Parmi les bien-aimés, il nous dit, dès qu'on a rencontré avec mon Dieu, il ne faut pas aller dire. Ou bien il ne faut pas aller fort, ouais. Ou bien il ne faut pas aller bon. Je ne vais pas dire que nous avons une église. Mon Dieu qui a un problème dans la prière, qui a cherché le soulagement, la délivrance. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas mon qui a délivrance. Nous avons un monde qui a cherché. La porte de la grâce. Parce que nous le mouvement la soya, bon façon mon Dieu sauver, vous devez questionner ça, Lisa. Pour qu'ils soient obligés de questionner, parce que Dieu vous dit tout pour eux, tu as vu ça. Et il y a une question qui a posé, pour qu'ils soient mon Dieu, et que ça va comme ça. Et nous avons compris la soya, Dieu vous dit la seule salut, mon Dieu est pour le bali, nous devons l'expliquer. Nous avons Dieu pour lui. Si mon Dieu est là, reculez déjà. C'est pour camper devant mon Dieu dans l'intercession continue. Pour pouvoir saisir la vision de Dieu. Quand mon Dieu est bon, il faut le faire pour lui. Vous connaissez mon Dieu, pas du monde. Mon Dieu mal pour le monde. Tout le monde a fait. Quand on dit pas pour un carton, on a dit ça dans le coup avec Daniel. On a dit il y a des gens que Dieu a réclamé dans leur vie un quart de temps. Il y a des gens que Dieu a réclamé la moitié du temps. Il y a des gens qui ont permis trois quarts de temps, mais il y a des gens que Dieu a rappelé tout entier. Amen. Et malheureusement, il ne faut pas échanger, il ne faut pas gaspiller le temps. Ou de réfléchir, mais même combien de temps on te vient en main? Jésus.
Et mon Dieu va prendre, mon Dieu va prendre un remplaçant. Alors mon Dieu, nous c'est où le mené? Amen. Nous connaissons bien parmi nous qui nous regardons sur le monde. Bah, nous faisons là-bas, peut-être ici, à Paris, qui n'a pas de problème ça. Mais la faille, nous prenons mon fond de bagage, nous disons, c'est bon, nous sommes bien. Il est là. Sous la délicate, qu'est-ce qui n'est pas ça? L'homme va au pape là. 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 Il y a des moments de dans sa libération. Il y a des docteurs en tout. Bon Dieu, au but. À la paix, ça s'appelle. Si bon Dieu t'a intervenu parmi les médecins, pour pouvoir diriger les médecins en ce qui concerne l'intervention. À la paix, ça s'appelle. C'est le créateur, le souverain de l'univers. Là, assiste l'opération dans ce salle-là. T'as pas médecin dicté. Mais malheureusement, pas juste ça. Parce que vous toujours occupé, mon Dieu. Vous prenez au même moment de travail. Alors, plus besoin d'un. Alors, couche, vous regardez les bras, au mari. Vous avez besoin d'intervention. Mais bon Dieu, occupé. Nous assistants et en classe de l'école du dimanche. Et comme monitrice, c'est lui-même qui est en premier lieu, on devient en second lieu. Mais peut-être que nous avons zèle, mon dévouement, mon envie de travail, c'est parce qu'on est libre. Il ne se joue pas là. Il ne 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 Il nous combattait, il nous voulait voir nous rêver. Nous nous combattons la forêt. Vous avez été sauvés. Et je me dis, ma place, ma place. N'a pas de lames, pas de lames, ça. Vous êtes bon, mon classe. Mille gamins, mille montants en l'air. Mille descendants. C'est n'a pas de lames, ça. Il a fait la ça, bon Dieu prend manche la vie en main. Amen. Et bon, on m'a réveillé, on a discuté. Par contre, combien de fois, on a discuté sur vous. Mais il y a plus de gens au terreur. Il y a des poisons de terre, là, ils sont tombés dans les roues. Il y a des poisons dans les là, là, ils sont tombés dans les roues. C'est la révélation, c'est la poison qui a tué. C'est mon Dieu qui a brûlé. Dans le bout de son tête, on casse, il en paix, mais joyeusement, pour gagner un gâté. Ça vous est prévu, pas peut-être qu'on s'arrête, mon Dieu. Amen. On ne parle pas de poison, on trois fois, pour pas mourir. Amen. Ça va coûter poison. Amen. Dieu. On va dire, mon Dieu, fait la vie ou pas même. Amen. On compte ça comme ça. C'est le Dieu dans le chèche qui met au chita dans l'église. Qui s'en change de l'église. Je vous ai privé dans les deux. Mais le mari, il a discuté cause. Il a dit, monsieur, c'est ça la faveur. Oui, mais le plus grand frère. Il dit, monsieur, là, je suis dans la cité. Oui, mais mon dessin pour faire la jeune papa, pendant la cité, il fait le passer par derrière. Judas dit, monsieur, pas tu y es. C'est frère, on va verser ça. Mais mon caravane, quand c'est un galahad, il va en Égypte, va venir. Il y a un enfant qui voulait nous voir, mais ça ne va pas dire papa. Il a déchiré le manteau. Papa a dit la lia. Il a tué un bouc. Il a passé la reine en sang. Il a dit papa, mais ça nous met la terre. Il a dit au vent de Joseph. Malgré mon Dieu avec elle, pour qu'elle passe de lui. Très bien, moi. Amen. Très bien, très bien, moi. La cachette immense. La cachette immense. Et tu le fais. Oh, wow.
nous irons joyeux et il est servi. Thank you.
Merci ma